commencer, Chloé, je vais vous montrer quelques mouvements de modelage afin de détendre et d'apaiser les traits de votre visage. Vous pouvez choisir soit une huile, soit une crème, afin d'éviter tout tiraillement. Vous allez apposer vos mains le long des sourcils et vous allez tout doucement étirer vers l'extérieur du visage en terminant par des mouvements circulaires sur les tempes, toujours vers l'extérieur. Parfait. Vous pouvez recommencer le mouvement. Votre peau, Chloé, est déshydratée et sensibilisée par les traitements et a vraiment besoin d'être nourrie et réhydratée. Vous appliquez une crème hydratante sur tout le visage, juste avant le fond de teint. Ensuite, pour unifier et donner un éclat naturel à votre visage, vous appliquez un fond de teint et vous choisissez la couleur en fonction de votre carnation. Déposez le fond de teint sur le dos de la main et ensuite vous l'appliquez. S'il reste quelques imperfections au niveau du teint, dans ce cas-là, on va utiliser un anti-cerne qu'on va déposer. Donc soit dans le cerne sous l'œil, soit sur une éventuelle cicatrice ou bouton, soit sur une éventuelle décoloration de la peau. J'applique maintenant une poudre libre pour fixer le maquillage et matifier en même temps le teint. Donc je vais appliquer la poudre toujours de l'intérieur vers l'extérieur du visage pour éviter tout simplement les accumulations de matière. Et je n'oublie pas les oreilles et la délimitation avec le... Enfin, pour apporter un effet bonne mine, je vais terminer avec le blush. Avant de positionner le foulard, je vous conseille d'utiliser un bonnet en fibre de bambou que vous allez poser sur votre tête, qui va être important, qui va faire deux choses en fait. La première, c'est que ça empêchera le foulard de glisser, et la deuxième, la fibre de bambou laisse respirer la peau. D'accord. Donc on le positionne comme ceci à mi-oreille. Voilà, très bien. Et ensuite, on attrape fermement le foulard, on le positionne à la base de la nuque et on va croiser sur le sommet du crâne. Il y a différentes couleurs, donc c'est très joli. Alors on peut ensuite le nouer en un nœud derrière la nuque ou encore sur le côté et en laissant libres les pans du foulard. Et enfin, on peut tout simplement rentrer les pans totalement. C'est pas grave s'il n'est pas mis correctement. Ensuite, vous pouvez l'ajuster. Une fois vraiment qu'il est en place et bien serré, vous pouvez l'ajuster vous-même. D'accord ? Joli, hein ? Vous apprendre à redessiner la ligne du sourcil qui est très importante pour l'équilibre du visage. D'accord. Donc on va tout d'abord imaginer une ligne virtuelle partant de l'aile du nez au point interne de l'œil pour trouver le départ de la ligne de sourcil qui se situe ici. Ensuite, on va balayer cette ligne virtuelle en passant par l'iris pour obtenir le point culminant du sourcil, et enfin on va terminer sur le coin externe de l'œil, et là on aura
la fin du sourcil. Et ensuite, il suffit simplement de redessiner en faisant des petits traits pour combler. D'accord. J'ai choisi, Chloé, d'utiliser une harmonie dans les tons bleu et gris pour les yeux, pour le maquillage des paupières. Donc, je vais vous montrer comment les placer sur l'œil. Tout d'abord, on commence toujours par les couleurs les plus claires et on fonce petit à petit. Donc je vais poser le fard bleuté sur la paupière mobile. Et je vais ensuite intensifier le coin externe de l'œil avec un gris un peu plus soutenu afin d'étirer et d'allonger le regard. Je vais faire ensuite un rappel sur le dessous de l'œil. Je l'estompe vers l'intérieur de l'œil. Je décide de réintensifier le gris. Le fard bleu sur la paupière. Et ensuite, j'intensifie avec le gris plus soutenu sur le coin externe. Je le positionne en V, en triangle. Je le dégrade. Parfois, les traitements font tomber partiellement ou complètement les cils. Donc, il existe une méthode très simple pour intensifier à nouveau le regard et recréer cette ligne. J'utilise un crayon gris foncé, pour rester dans l'harmonie des fards à paupières. Et je vais tracer une ligne en bordure des cils, gardée en l'air. Je fais un raccord au niveau des cils du bas. Et ensuite, j'estompe. Je dépose très délicatement un mascara sur les cils. Chloé, je vous conseille d'utiliser régulièrement un baume pour les lèvres afin de nourrir et d'hydrater vos lèvres desséchées par les traitements. Ensuite, à l'aide d'un crayon, je redessine le contour de vos lèvres, simplement pour éviter peut-être que le gloss ne file. Une astuce, vous pouvez hachurer l'intérieur des lèvres afin de les colorer tout à fait naturellement. Et ensuite, je vais juste estomper et fondre le crayon avec le doigt. Et enfin, vous posez le gloss. En mettant quelques touches lumineuses sur les lèvres.